Bonjour, bienvenue à la médiathèque pour un atelier créatif proposé par Patricia. Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser le mobile papillon. Pour cet atelier, il vous faut une feuille cartonnée, ça peut être un carton alimentaire, voici, pour le gabarit du papillon. Ensuite, une paire de ciseaux. Un bâton de colle, un fil de couture, du fil de couture et des pages de livre, ainsi qu'une perle. Voilà, vous avez tout pour réaliser le mobile. Nous allons dessiner un papillon. Soit à main levée ou soit vous vous servirez du gabarit que l'on vous aura joint à la liste de fournitures. Voilà. Et voilà. Ensuite, nous allons découper. Et ce papillon nous servira de modèle pour en faire 8, en tailler 8 dans les pages de livre. Voilà, le modèle est prêt. Alors, maintenant que vous avez votre gabarit, nous allons tracer 8 papillons dans les feuilles de papier. Ça peut être des prospectus, des vieux livres ou du papier journal. Voilà.
Alors, préparez votre bobine de fil, allongez le fil environ 70 cm. Voilà. Et regroupez vos papillons par deux. Voilà. Ici. Alors, vous allez glisser un premier papillon sous le fil, mettre un petit point de colle sur le fil et sur le papier, au centre, juste au centre. Et vous allez superposer un deuxième papillon sur le premier en appuyant au centre. Et recommencer 4 fois avec un espace de quelques centimètres. Ici, petit point de colle. Prenez une jolie perle que vous allez enfiler sur la base du fil, faire un nœud ou deux, ici, hop. Voilà, coupez le petit bout de fil qui dépasse, voilà. Et coupez aussi en haut. Et faire une boucle pour pouvoir le suspendre. Voici, et bien le mobile. Vous allez pouvoir écarter légèrement les ailes de papillon. Et le mobile est prêt, vous pouvez le suspendre. Nous pouvons maintenant suspendre le mobile sur une branche. Aujourd'hui, j'ai choisi des branches de noisetier. Merci Patricia, c'est magnifique. On se donne rendez-vous pour un prochain atelier au mois de décembre, oui, sur le thème de Noël. En attendant, n'hésitez pas à nous faire parvenir les photos de vos créations à l'adresse de la médiathèque, médiathèque@mairie-guidel.fr. On vous souhaite un bon mercredi et une bonne fin de vacances. Ciao, ciao, ciao.